Bah les amis, il est venu vos vlogs, bien sûr à liker. Et ouais, c'est une crue. Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui. On est fermé sur 22 news, mais pas les collections de fichiers. Aujourd'hui, on va aller plus dans le détail de farming. Bah les collections de fichiers aussi, mais là c'est encore plus dans le détail parce qu'on va parler aujourd'hui encore de chaîne de production, tous les produits, usines de production et connexions. Voilà, ça c'est le titre de cet article aujourd'hui parce que bah voilà, on est le 14 septembre. Et donc let's go, c'est parti. Là c'est pas les collections fichiers, ça sera samedi à 12h15, quelque chose comme ça, à 12h15, donc n'oubliez pas, désolé qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos cette semaine, mais la semaine prochaine on reprend. Pour les vacances d'ailleurs, semaine prochaine il y aura une vidéo pour le planning. Alors, que de plus en plus d'agriculteurs cherchent des moyens supplémentaires de générer des revenus, Farming Simulator 22 vous offrira diverses opportunités. Opportunité de développer vos opérations agricoles. Ne vous arrêtez pas à la vente de vos récoltes fraîches. Si vous voulez plus de gâteaux à saveur de capitaliste, fabriqués avec des ingrédients régionaux uniquement, et gagner encore plus de vos produits, commencez une chaîne de production. Voilà. Devenez un manga de l'agriculture locale. Donc là, d'ailleurs, je vous conseille beaucoup de séries par rapport à cela parce qu'on va, le garder. D'ailleurs, ce sera la miniature d'aujourd'hui parce que voilà, je pense que la miniature d'aujourd'hui va beaucoup interpeller beaucoup de monde. C'est pour ça qu'on va la mettre celle-ci plutôt que la. On va parler aujourd'hui de chaîne de production. Alors, on va se mettre en scène 5 parce que voilà, faut qu'on se mette là pour que vous voyez très bien les chaînes. Donc là, c'est 2022, prochaine de production. Donc c'est avec deux, on dirait du peuplier, hein, parce que je pense que c'est du peuplier ça. Il y a de la moins 1000, donc là avec du bois, on peut créer soit des tables, donc du bureau, ou des tables, des bureaux, ou du copeau de bois. Ouais. Et d'ailleurs quand il pleut, on va pouvoir pousser les fraises, les tomates, les salades, qu'on va pouvoir convertir avec des gâteaux. Tout avec des gâteaux, parce que c'est vrai que les fraises avec des gâteaux, ça serait toujours bien. J'ai rien testé deux façons, gâteau sans fraises et gâteau avec des fraises. Ce sera vraiment dans la même série, sur les gâteaux, gâteau avec sans fraises et gâteau avec fraises. Ce ne sera pas deux séries différentes. Il y a beaucoup de séries que je vais vous prévoir sur Farming Simulator 22. Il y a beaucoup de séries que je vais vous prévoir. Il y a du lait. On va pouvoir faire du... on va revenir sur ça parce qu'on va pouvoir faire ce que je vous prévois, mais... On va pouvoir faire avec du canne à sucre, des radis, je sais pas trop, c'est bien, c'est une nouvelle culture. On va pouvoir faire du sucre, sugar mill, c'est du sucre, je crois. On va le dire, hein, traduction. On va pouvoir traduire parce que c'est la DF. Fais-moi ça. Sugar mill. Le sucre riz, ouais, bon, le sucre riz, c'est du sucre. Donc ça, on va pouvoir faire du sucre par rapport à... On va pouvoir faire du sucre, et avec du sucre, on va pouvoir faire du gâteau. C'est-à-dire qu'on va vraiment être dans le plus, et je vais pouvoir pas mal de séries. Avec du sucre, on va pouvoir faire du chocolat avec du lait. Du chocolat, on va faire une série sur le chocolat. Ah, mais je vous connais tellement, mais tellement de séries pour rapport à cela, que ça va être un délire. Franchement, je vous prévois, hein. Et de la laine ou du coton, donc les deux, on va pouvoir faire une espèce de rideau, je sais pas quoi, et qu'on va pouvoir faire des vêtements. Ça sera encore plus stylé faire des vêtements. On testera d'ailleurs ça par rapport à cela. On va pouvoir aller plus loin. Je sais pas trop ce que c'est, on dirait un sac d'abeilles ou je sais pas quoi, il y a des abeilles là-dessus, avec du maïs, on va pouvoir faire du sac d'engrais, hein, peut-être. Avec de l'avoine, avec des raisins secs. Et on va pouvoir faire du raisin avec du jus de raisin. De toute façon, on testera aussi. Il y a tellement de chaînes de production qu'on testera. Il y a trois. Et avec des tournesols, des olives. C'est-à-dire des olives. Et ça, c'est quoi? C'est plus ces cultures. Mais on va pouvoir faire du jus. Jus de tournesol, du jus de colza. Non, c'est du jus de colza. Ah bah je pense que c'est du jus colza et du jus d'olive. On va faire de l'huile d'olive. Et bah ça on va testera. Du tournesol, on testera ces trois trucs
On testera que le tournesol. On testera les trois trucs dans une série. Ok. Ça sera vraiment les premières séries qu'on va tester. Parce que bah, toutes les séries, on va les tester. Je vais vous prévoir un tas de choses. On fera vraiment une grosse benne. Parce que bah, du coup, on va faire du casino, on va faire tout ça. Donc évidemment, d'abord, on va faire d'abord qu'une série sur les cultures. Puis on va faire les productions. Vous allez voir, là. Phase 22, on aura tellement de choses à faire que bah, on va voir peut-être vous faire 3 vidéos par semaine sur Farming Simulator, voire 4 des fois. Et plus avancement les lives, parce que des fois, pour qu'on avance sur les chaînes, pour les chaînes de production, on va créer moins 3-4 champs. Au début, on va préparer les champs. Donc on va cultiver, on va semer, on va cheater l'argent, pas trop. Et on va pouvoir semer du tournesol. On va pouvoir faire une map assez grande. Et vous allez voir, franchement, je vous prévois un tas de choses. Et avec, ça doit être, je sais plus ce que c'est, donc il y a du bois. Non, c'est pas du bois, je sais pas trop ce que c'est ça. Et on va pouvoir faire du biogaz. On va faire du biogaz, faire de l'électricité, tout ça. Parce que d'ailleurs, on va avoir des tracteurs électriques. On va voir vraiment ça fonctionne cette technique là. On va pouvoir des œufs. Alors, c'est avec les poules, on va pouvoir faire des gâteaux. Par rapport à cela, on va pouvoir tester, on va avoir du lait. Alors, je sais pas avec le lait, est-ce que on va avoir des animaux. Donc, enfin, je m'occupe des animaux pour faire des gâteaux. Donc, ça veut dire qu'il faut que je fasse du sucre. Il faut faire de la canne à sucre, il faut faire des radis, il faut que je fasse ce bois là, le bois. Non. Je sais pas si le bois, faut que je m'occupe. Les trois. Et on va pouvoir faire du sucre. Du sucre. Et après, on va pouvoir faire des gâteaux. Et on va pouvoir avec des gâteaux. Donc, on va pouvoir faire des sucres avec du chocolat. On va faire du fromage. Du fromage. Ah ouais, carrément. Là, on va vraiment dans le détail. Si on peut faire une série sur le fromage, ça serait pas mal. Il y a vraiment un tas de choses. Et les tomates et salades, faut qu'il pleuve. Parce qu'il va y avoir des séries. Ça, on n'a encore pas vu. J'ai pas vraiment un gameplay. Et où je sais pas si on aura un gameplay ou pas, parce que par rapport à cela. Mais on va avoir tellement de choses. Mais je vais vous dire, en live découverte, on aura même pas besoin de tout voir. Je vous dis, en live découverte, il y a une série qu'on va faire. Nous, déjà, on va préparer les cultures, on va préparer les champs. Et ça sera en vidéo. Voilà, on aura des lives aussi, parce que des fois, je vous dirais qu'on va reprendre la série, tout ça. Des fois, on laissera peut-être 2 semaines, parce que bah, des fois, on laissera une semaine, ça va être assez juste. Mais en attendant, des fois, on va être un petit peu décalé. On sera bien 2 fois production de chaîne. Une semaine, ça sera une production, l'autre une semaine et tout ça. Ok. Et après, on régénérera les deux, parce que t'es bien, on changera du jour, machin, etc. Je vous verrai très très bien. Il y aura tellement d'idées. Je vais vous dire, il y aura tellement d'idées pour Phase 22, parce que bah, franchement, il y a des idées. Hein. Il y a des idées derrière. Voilà. Dans Phase 22, il y aura un nombre de total. Dans Phase 22, il y aura un nombre total de 13 usines de production différentes que vous pouvez. Que vous pouvez non seulement finir avec vos marchandises, mais aussi les acheter, posséder et placer sur vos terres. Jeter un coup d'œil au graphique pour en savoir plus sur les dépenses. Alors, on va pouvoir faire du. Alors, on va pouvoir faire. On va pouvoir faire des raisins secs aussi. Il y aura du bois, il y aura. On va pouvoir faire du fromage. Ça, c'est vraiment ça va être intéressant, ça. On va pouvoir faire du chocolat. Alors, du chocolat. On va pouvoir faire du chocolat. On va pouvoir faire des tomates et des salades. On va pouvoir faire des fraises aussi. Et les fraises, on va faire des gâteaux. Voilà, des cakes, gâteaux. Il faudra qu'on fasse du pain aussi. Donc, une série sur la boulangerie. Mais on va d'abord faire une série sur le gâteau, une série sur la boulangerie. Et après, on fera une série d'abord sur du pain. Donc, d'abord, une série un peu sur la boulangerie, mais sans pâtisserie. On va faire une série sur le pain, il fait une série sur le gâteau, il fait une série sur le sucre. Voilà, on va pouvoir faire une série sur le sucre. Et après, on va refaire une série avec le sucre, mais on va aller voir avec différentes thèmes de production. Je vais vous voir tellement, prévoir tellement de séries. Je vous le dis, mais vraiment, je vous le dis, on va avoir tellement de séries par rapport à cela. Voilà. Canola, Will. Alors, canola, on va vraiment regarder ce que c'est canola. Canola, oui, je crois. Huile de canola. Donc, c'est de l'huile de tournesol, je crois. Bon, de l'huile de colza, oui, ce que je voulais dire. Donc, c'est de l'huile de colza. Voilà, c'est de l'huile de colza. Voilà, faut y aller un peu dans le détail sur internet, tout ça. Et franchement, il y aura tellement. Par contre, ça, c'est quoi? C'est une tablette de chocolat, quoi? C'est du chocolat blanc ou c'est du lait? Non, du lait, il en doit avoir. Ou c'est du lait, ça? Franchement, on est sur une tablette de chocolat blanc. Là, c'est chelou, ouais. Du lait, peut-être, du lait. Je sais pas, là, c'est chelou. Chocolat blanc ou voilà. Mais franchement, on va pouvoir faire une série sur le chocolat, une série sur le sucre.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, 1, 3, 4, donc ça fait 7. 7 plus 7, ça fait 14. Ça fait 21. Truc, on va tester. On testera chaque truc. Pour faire du fromage, on testera. Pour faire des fraises. Alors, par contre, pour du fromage, je pense qu'il faut du lait. Et ça, du lait, par contre, on va pouvoir. Faut qu'on s'occupe des vaches. Ça veut dire qu'il y aura des séries. On va être obligé de s'occuper des animaux. Et ouais, il y aura des cultures. Je vous montre, hein, mais il y aura des cultures. Des œufs, par exemple, pour faire des gâteaux. Il faudra que je vais chercher des poules. Ah ouais, et donner des hachés. Ça veut dire qu'il faudra s'occuper des animaux. Ah ouais, ça a un intérêt aussi parce que. Voilà. Et par contre, voilà le sucre, le fromage, il faudra avoir du lait. Et oui, du lait en stock. Je sais pas si on va avoir dû acheter du lait ou il faut que j'achète des vaches. Les vaches, il faudra que je m'occupe des vaches derrière. Et on va pas faire des vaches. Des vaches avec du chocolat. Donc ça veut dire qu'il faut que je m'occupe des vaches. Faire de l'herbe, faire du foin. Donc ça veut dire qu'on va s'occuper deux fois plus de temps sur les chocolats, tout ça, de préparer des l'herbe, tout ça. Ça va être tellement long. Et ça, c'est sûr que ça nous risque de passer un petit moment en live et tout ça. Mais franchement, je vous le dis, mais ça va être une série dingue. Dans tout ce que. Dont ce qu'on a dit est produit à la fin, c'est fabriqué localement, que ça soit du fromage à la laiterie, de la farine au moulin à grains ou même des vêtements au tilleul. Après, la laine est transformée à la filature. L'un de nos préférés est la boulangerie offerte au ferrant au résident local du pain fin et un délicieux gâteau aux fraises. Donc, il faudra qu'on fasse du gâteau aux fraises. Donc, il y aura, voilà. Aussi, on fera nécessaire en tenant ensemble d'ingrédients farine, sucre, œufs, beurre et fraises dans vos serres. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir. Donc, c'est-à-dire que la farine, le sucre, œufs, beurre et fraises, ça sera dans vos serres. Et aussi tomates salades, hein, il ne faudra pas oublier. Nous vous dirons plus à ce sujet et encore plus encore bientôt. Vous pourrez être excités. Bientôt, on va encore aller voir, encore aller plus loin. Attends, je vais remettre en scène une. Ça veut dire qu'on va encore aller plus loin. On va encore aller plus loin sur ce thème-là, sur ce sujet-là. Ça va être incroyable, mais voilà. C'est pour ça qu'ils vont nous dire ça juste avant Farming 22, parce qu'il ne reste qu'un mois. Un mois d'intervalle. On n'a encore pas trop vu les gameplays. Parce que franchement, il faut qu'on voit des gameplays là. Là, ça va commencer à rougir parce que ça, là. Alors, le truc qu'on n'a pas encore vu, c'est les olives. Qu'est-ce qu'on doit s'occuper des olives? On l'a encore pas vu ça. On l'a encore pas vu et ouais, on va faire un bilan parce qu'il faut que je regarde ça dans mes cultures, voilà, on a regardé, désolé. Mais la machine qu'on a regardée, d'ailleurs, on va y aller juste après. Précommandez pour obtenir votre bonus. Farming 122 Farming 122 sortira le 22 novembre sur PC, Mac, PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, Xbox One et Google Stadia. Précommandez dès maintenant. Pour recevoir gratuitement le pack. Clax Zerion, Staltrak, et aussi dès maintenant, le Season Pass année 1, obtenir du nouveau contenu pour fin 2022 et économiser de l'argent, en plus des avantages de prix du Season Pass par rapport à l'achat du contenu séparément, vous économisez encore plus d'argent en précommande. Merci. Voilà, comment aller voir, mais je vous le montre, hein, mais c'est réel, hein, pour la machine. Voilà, il n'occupe que du raisin. C'est-à-dire que cette machine-là, elle s'occupera que du raisin. C'est pour ça que le délire par rapport à cela. Et par contre, j'ai juste voir un truc par rapport à cela. Les olives, ils servent juste à ça. Les olives servent juste à faire du jus de, à faire de l'huile d'olive. Ok. Bon. Je voulais vraiment. C'est pour ça que le truc qui m'inquiète, c'est les tomates salades et les olives. Ça, on n'a encore pas vu les olives. Les olives, on sait même pas comment ça marche. Je pense que ça va très vite balancer. Peut-être bien la semaine prochaine. Peut-être bien balancer trois nous la semaine prochaine. On va être bien dans la dèche. Et voilà. Voilà. Bon les amis, j'espère que vous aura plu. Merci d'avoir reçu mon invitation. C'était un réel plaisir pour cette édition. Dans vos cette vidéo, on pourra pour les prochaines cups. Ça sera repoussé à dimanche, mais je pense que on en parlera plutôt plus. Mais franchement, les news, ils étaient très 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 intéressants. Je voulais vraiment qu'on en parle sur cette chaîne aujourd'hui parce que demain, vous n'oubliez pas, demain à 12h15, samedi à 12h15, donc demain, vous n'oublierez pas des collections de fichiers parce que ça, c'est tous les vendredis, donc ça vous le savez bien, il y a mise en collection de fichiers. Je sais pas. Peut-être bien par rapport à ça, on va avoir juste la machine au livre. Parce que là, ça nous revient un peu. Donc, quoi. Voilà. Donc, j'espère que demain, on va voir là, les olives. Vraiment, machine à olives. Parce que. Une remorque à olives. Parce qu'on avait vu une remorque à raisin. Donc, je prends ça demain. Et bah, voilà. Par contre, sur la miniature, c'est stylé. Regardez. Il y a vraiment du raisin.
Et ouais, du raisin, non, pas du raisin, c'est du jus de l'huile d'olive qu'il y a là-dessus. Et ça, on l'avait vu dès le départ, par rapport à ce stade des olives, on l'a vu dès le départ. Voilà. Bon, les amis, ça vous aura plu, merci. Franchement, ne t'inquiétez pas, un des pouces bleus. Donc, passez une très bonne nuit. Bonne journée, bonne soirée à tous, parce que bah, il va faire nuit. Peace, et à demain, 12h15, la vidéo collection fichier, encore fin 22. Peace.